Nous avons vu dans une précédente vidéo qu'un nombre rationnel peut être défini de deux façons différentes. Donc, un nombre rationnel peut être vu soit comme un nombre dont la partie fractionnaire du développement décimal, ce qui était un peu compliqué, est finie ou infinie périodique, soit comme une fraction irréductible. Ça, ça est ce qu'on veut dire, c'est que si on part d'une d'un nombre dont la partie fractionnaire du développement décimal est finie ou infinie périodique, on peut voir ce nombre ou lui associer une fraction dans le sens où si on effectuait pour la fraction donnée la division qui correspond à cette fraction, alors on obtiendrait toujours un développement, une partie fractionnaire finie ou infinie périodique. D'expliciter un peu tout ça. La première chose qui est importante à comprendre en mathématiques, c'est qu'on ne peut pas définir un objet de deux façons différentes, sauf si parallèlement, eh bien, on essaye de justifier le fait que finalement, dire qu'on considère tous les nombres dont la partie fractionnaire ont un développement décimal fini ou infini périodique, ou qu'on considère toutes les fractions irréductibles, eh bien, on a essentiellement la même chose. Mais ceci, on doit pouvoir le justifier. Alors, je ne vais pas vous proposer ici une démonstration formelle parce que ce serait un petit peu compliqué, mais plutôt essayer d'illustrer pourquoi il y a cette relation entre la façon de voir les parties fractionnaires finies ou infinies périodiques et les fractions irréductibles. Alors, prenons quelques exemples. Si je regarde par exemple la fraction 2 sur 5, donc c'est bien une fraction irréductible. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire 2 sur 5 Ça veut dire que j'ai pris euh, dans un objet euh, où j'ai deux, deux quantités, je les coupe en 5 parts. Mais je peux finalement, à cette fraction irréductible 2 sur 5, associer la division du nombre 2 par le nombre 5, sous-entendu ce qu'on appelle la division euclidienne avec reste. Donc bien sûr, je peux pas diviser 2 par 5. Hein. Donc je pars en décimale. Combien de fois y a-t-il 5 dans 20 Eh bien, 4 fois. Je soustrais, il reste 0. Donc je déduis de ceci que 20 sur 5, c'est la même chose que 0,4. C'est ainsi qu'on fait une association entre les fractions et les nombres écrits sous forme décimale. Alors, je peux prendre des exemples différents. Par exemple, si je prends 23 sur 5... La fraction 23 sur 5, ben ça correspond à diviser 23 par 5. Donc combien de fois y a-t-il 5 dans 23 4. Hein. 4 fois 5, 20. Je soustrais 23 moins 20, ça fait 3. Il n'y a plus de 5 dans 3. Donc je pars en partie fractionnaire. 30, combien de fois y a-t-il 5 dans 30 6, 6 fois 5, 30 et 0. De la même façon, je peux en déduire que 23 sur 5 est égal à 4,6. Alors, comment s'effectue cette relation ben On se rend compte que chaque fois qu'ici on va tomber sur un reste, à un moment donné, dans la division euclidienne avec reste, un reste nul, ben le reste nul va dire que on s'arrête. La division euclidienne est terminée. Donc on peut dire que chaque fois qu'il y a un reste nul, dans la situation de la division euclidienne avec reste, ben ce reste nul est le marqueur du fait que la partie fractionnaire du développement décimal est finie. Donc reste nul, ça correspond à un, une partie fractionnaire finie. Maintenant, prenons des situations un petit peu plus complexes. Alors par exemple, si je prends la fraction, je vais le faire ici parce que le calcul va être un peu plus long, 23 sur 7. Donc j'effectue la division euclidienne avec reste de 23 par 7. Donc 3 fois 7, 21 reste 2. Je n'ai plus de 7 dans 2, donc je passe en partie fractionnaire avec l'algorithme. 2 fois 7...

Fois 7, 28 reste 2. Ah. 2 x 7, 14 reste 6. Mais là, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer? La suite des restes. Le premier reste c'était 2. Le deuxième reste était 6, puis 4, puis 5, puis 1, puis 3. Qui ont correspondu au euh, décimal qu'on a obtenu ici. Encore un reste. Mais à partir, pardon, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Je tombe sur le reste 2 et en fait je retombe sur un reste qui s'était déjà présenté une fois. Donc ça veut dire que toute la séquence qui se déroule ici, bah, elle va se reproduire à partir de là, puisque je tombe sur le même reste. Donc je vais obtenir 2, puis de nouveau 6, puis de nouveau 4, puis de nouveau 5. Et donc je vais me retrouver avec les mêmes décimales. Ces décimales qui donc étaient pour 2, 2, pour 6, etc. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 restes. 1, 2, 3, 4, 5, j'oublie la celle-ci, le sixième, ici. Donc ces 6 décimales ici correspondent à toute la séquence de la division qui est là, et à partir de là je recommence avec les mêmes restes qui vont produire les mêmes décimales, donc le 2, 8, 5, 7, 1, 4, vont, on va garder la même couleur, hein, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4 vont se répéter à l'infini et c'est ceci que nous notons 3, 2, 8, 4. 5, 7, 1, 4, qui se répète à l'infini. Donc vous voyez que cette période, hein, même sur une fraction relativement simple, comme, 27, euh, comme 23 septièmes, euh, la, la période peut commencer à devenir un peu plus complexe rapidement. Donc on avait une première situation où dans la division euclidienne avec reste, on tombe soit rap très rapidement, soit moins rapidement, et puis on pourrait encore le prolonger, sur un reste nul. Le reste nul trace ou marque la notion que de partie fractionnaire finie, soit on tombe sur un, pardon, sur un même reste, c'est-à-dire on retombe une deuxième fois sur un reste qui était déjà arrivé, et ceci, ça va marquer le fait que la partie fractionnaire va être infinie, Périodique. donc on comprend déjà ici hein, ce n'est pas une démonstration parce que ce n'est pas une généralité mais c'est fait sur la base d'exemples mais c'est pour essayer de sentir cette relation que lorsque j'effectue lorsque je pars d'une fraction irréductible et que j'effectue la division euclidienne avec reste je peux avoir des situations où je tombe sur un reste nul qui conduise à une partie fractionnaire finie je peux avoir des situations qui conduisent à la répétition d'un reste et je tombe sur une partie fractionnaire Infini périodique. Il reste une dernière chose à voir, c'est est-ce qu'il est -ce qu pourrait se passer quelque chose d'autre. Donc, euh, supposons que je tombe pas sur, je tombe jamais sur le reste 0, Et est-ce que ce serait possible que je tombe sur des restes toujours différents, c'est-à-dire que je ne retombe jamais une deuxième fois sur un reste qui est déjà arrivé, auquel cas j'aurais pas une partie infinie périodique, mais j'aurais une partie infinie qui ne se répète jamais. Alors, pour finaliser. L'argument, je fais un dernier exemple, encore un peu plus compliqué, pour vous aider à comprendre que les restes, dans la situation précédente, pardon, ici, les restes étaient toujours des, 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 des nombres qui étaient entre 0 et 9. Hein, reste 0, puis ici 2, 6, 4, 5, 1, 3, etc. Mais on peut avoir des situations un petit peu plus complexes. Par exemple, si je prends la fraction 20-17 et que je me lance, attention, ça va être long dans la division euclidienne avec reste de 20 par 17. Donc ça fait 1, il reste 3. Je passe, je bascule. 30, donc il y a une fois 17 dans 30, reste 13. Donc voyez, le reste peut lui-même être un nombre plus grand que 9. Hein. Donc je tombe sur le reste 13, mais il n'y a pas de 17 dans 13, donc je suis obligé de basculer, d'aller sur 130. Et puis maintenant on commence des calculs un peu moins sympathiques. On pense combien de fois 17 dans 130 Si on cherche un peu, on finit par se rendre compte qu'il y a 7 fois 17 qui fait 119, et donc ici il va me rester 11. On continue. 6 fois 17 qui donne 102. Il me reste 8. 4 x 17 fait 68. Il me reste 12. 7 x, 19 qui me don... 7 x 17 pardon, qui me donne 119. Il reste 1. Alors là, amusant, hein 0 a ah, toujours pas de 17. Je dois mettre un 0 et partir un peu plus loin, puis recommencer. 5 fois 17 qui me donne 85, reste 15. 8 fois 17 qui me donne 136. On a l'impression que ce calcul ne va jamais finir. Hein Combien de fois 17 dans 140 ben, La même chose. 8 fois 17, 136, il reste 4. Toujours pas de possibilité de s'arrêter. 2 fois 17 qui donne 34. Reste 4. Euh, pardon, reste 6. On fait 60. 3 fois 17, 51. Si je regarde la suite des restes, hein, j'avais eu, euh, d'abord, j'avais eu un reste ici de 3, 13, 11, 8, 12, 1, 15, 14, 4, 6. Hein, je ne suis jamais tombé sur le reste nul et je ne suis encore jamais tombé deux fois sur un même reste. Bon, ben, on continue. 9. Combien de fois 7 dans 90 Non, pas combien de fois 7, mais combien de fois 17 dans 90 Donc, 5 fois 17 fait 85. Reste 5, fait 50. Combien de fois 17 dans 50 Bien sûr, 2. 2 fois 17, 34. Reste, on va continuer là, 16. Voilà, ah, ben on repart.

Une fois. Reste 3. La suite des restes. 15, 14, 4, 6, 9, 5. On se dit qu'on ne va jamais s'en sortir. 16, 7, 2, miracle. 3. Pourquoi miracle Parce que le 3 était déjà arrivé ici. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le reste suivant sera... 13, 11, 8, 12, etc. Et donc que les décimales qu'on a obtenues, c'est-à-dire toutes celles-ci, le 1 qui est là, correspond à avoir récupéré le même reste. Et donc maintenant, on va recontinuer avec 7, 6, 4, 7, etc. Donc vous avez vu que le fait que ce soit périodique, ça soit perdu, ça ne veut pas dire que c'est le même chiffre qui réapparaît. C'est vraiment que c'est toute la séquence qui est obligatoirement doit recommencer. Donc qu'est-ce qu'on déduit de cet affreux calcul J'espère que vous avez tenu jusque-là. C'est que 20 sur 17 est égal à 1 avec une période, hein, 20 sur 17 une fraction relativement gentille et simple, une terrible période, 5, 2, 9, 4, très 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 longue. Donc... On peut avoir des restes nuls, ça s'arrête tout de suite, on peut avoir une suite de restes qui relativement rapidement s'arrête et on obtient une période qui déjà là commence à devenir pénible, mais on peut aussi avoir une très longue période. Donc la question, est-ce que ce serait possible quand on effectue la division euclidienne avec reste, que ça continue comme ça et que finalement on ne retombe jamais sur un même reste Eh bien la réponse, c'est non. Non. Pourquoi non alors là encore, je ne vous fais pas une démonstration formelle, mais j'aimerais bien que vous aidiez à comprendre le fond de l'histoire. Parce que lorsqu'on divise par 5, quels sont les restes possibles lors d'une division par 5 ben, Les restes possibles, c'est soit 0, ce qui est arrivé là tout de suite, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Mais on ne peut pas avoir un reste de plus grand que 4, c'est-à-dire un reste de 5 n'est pas possible si on divise par 5. Donc les seuls restes possibles dans la division par 5 sont 0, 1, 2, 3, 4. Les seuls restes possibles lors de la division par 7 sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les seuls restes possibles lors de la division par 17 sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ce qui veut dire que le nombre de restes ne peut pas être plus grand que le dénominateur. Donc le nombre de restes est forcément fini. Il y a donc forcément à un moment donné dans les étapes successives de la division euclidienne avec reste, où on va retomber sur le même reste, puisque le, les, 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 le nombre de restes possibles est fini, eh ben le nombre d'étapes augmentant de 1 à chaque fois, eh ben, on va forcément retomber, on va forcément, à forcément moment donné avoir épuisé tous les restes possibles, on sera obligé de retomber sur un même reste. Ce qui veut dire que la longueur de la période est en fait, la longueur maximale, maximale de la période est pilotée par la taille du dénominateur. Et en particulier, il n'est pas possible qu'on ne retombe pas sur un même reste en partant d'une fraction. Et donc, toute fraction va forcément conduire soit à un reste nul, soit à un nouveau reste qui se présente pour la seconde fois, et donc à un développement oh, oh, oh. à la partie fractionnaire du développement décimal qui sera finie. C'est pour ça que la réponse à cette question, c'est non. Et fondamentalement, c'est pour ça qu'il y a cette relation entre les fractions irréductibles et les développements, les parties fractionnaires de développement décimal qui sont soit finies, soit infinies périodiques. Voilà. Encore une fois, c'était pas une démonstration. C'est un peu long, un peu technique, mais c'est un résultat que souvent on présente comme une évidence, qui est finalement pas aussi évident que ça et qui permet de travailler la notion de la division euclidienne avec reste, qui est une notion importante et très utile en maths.